Eh bien, salut tout le monde, c'est Maveur et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon let's play sur le fangame Pokémon Prism. Alors, le jeu apparemment vous a pas mal plu à vous aussi, j'ai eu de très bons retours sur l'épisode 1. J'espère que le jeu du coup continuera à vous plaire tout autant qu'il m'a plu pour le moment et qu'il vous plaît. Et sur ce, bah, du coup on va continuer, donc on avait livré le colis. On ne bouge plus. Et on n'a même pas eu le temps de bouger. Oui, non, quoi, que... Y'a Belladonis. Oh putain. Je suis l'inspecteur Belladonis des forces de police internationale. Je te suis depuis ton départ du Bourg Palette, c'est mon nom de code. Il aurait dû le dire juste après s'être présenté, enfin c'est plus logique, à mon avis. Évidemment, grâce à mon super buisson camouflage, sur le toit, il n'y a pas de buisson, non. Et tu n'as tout simplement rien pu remarquer, c'est normal, ne t'inquiète pas. Revenons-en au fait, il se trouve que le professeur Shen a fait parvenir beaucoup de colis au docteur Sasaki ces derniers jours. Allié au comportement étrange du professeur Shen, nous trouvons cela très suspect. Sais-tu par hasard ce que contenait ton colis? Non, c'est embêtant. Je ne peux pas gâcher ma couverture, je vais donc te demander de retourner voir le directeur et lui demander ce que contenait le colis. Je t'attendrai ici de manière discrète grâce à mon kit de métamorphose incroyable. Bonne chance. Ça va, la musique est quand même bien sympa pour les quêtes, j'aime bien. Quête, un complot commencé. Non, il s'est transformé en Nidoran. Oh bonjour, bienvenue Jadiel, ravi de faire ta connaissance. What the fuck. Au revoir. Oh putain. Et je sais pas si on peut courir dans ce jeu. J'ai voulu regarder les tweets du jeu. Ça m'a fait peur, c'était en japonais ou en coréen, j'ai pas su leur faire la différence. Allez, bonjour, le chocolat fond plus vite au soleil. Oui d'accord, c'est toujours. La Master Ball c'est pour les faibles. Ouais, moi je suis faible, du coup j'en ai. Le melon c'est bon, mais pas les pépins. Saleté de calibrateur à la noix, je vais tout sauter fusiblement. Oh, je crois que je suis démasqué. Pourquoi faut-il qu'un gamin vienne mettre son nez dans nos affaires maintenant alors que c'était le dernier colis pour achever la construction? Eh bien oui, je te présente Rouillator, une arme de la Team Infinity. Infinity. Attends, what? Je comprends pas trop le speech là. Genre la Team Infinity, le mec c'est un directeur d'école et tout. D'accord, bon, si tu veux. Permet de prendre le contrôle de n'importe quel esprit faible à distance. Son seul problème, c'est qu'il faut la monter, et que le kit fait 26 pièces, et qu'il y a utilisation. Bien, je vais me débarrasser de toi, et quand ce sera fait, j'utiliserai un autre appareil pour contrôler ton esprit aussi. Oh, j'aime bien la musique. Bah, écoutez-moi cette musique. Oh, la musique. Pop, 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 pop. Secrétaire Irma. Miaus. Mais elle va me défoncer. Ok, je suis mort. C'est très la joie. Je savais même pas que Salamèche était pas soigné, merde. Coup critique. Bah ah, si elle continue à faire bluff, c'est bon. Ok, on est mort. C'est la joie. Je peux utiliser de potions. L'école de Jadiel m'appartient. Wouah, on a donné 64 Poké-Dollars. Ça fait quoi si je mets non? Ah ouais, on voit pas les Pokéballs. Je sais pas si c'est volontaire de leur part. Bon, merci, à bientôt. Oui, enfin, j'appuie. Ah, il y a un petit bug. Elle reste collée à son le Vénard. Bon, allez, seconde manche. Ouais, d'ailleurs, ouais, son Miaouss, il est plutôt OP quand même. Niveau 10 et tout. C'est pas grave, on fera XP Salamèche après. Oups, parce que j'ai pas fait d'XP du coup entre les épisodes. Mais bon, il y a Hogan qui m'a dit que lui, il avait un peu avancé l'histoire et qu'il faudrait mieux quand même que j'entraîne mes Pokémon. Ah voilà. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le layout, hein, si jamais. Je crois que je l'ai pas dit dans l'épisode, je crois que je suis payé. Saleté, ouais, bon, on va se retaper le speech. Hop, spam click. Le petit spam click des familles. C'est bizarre parce qu'on dirait une musique qu'on connaît déjà de Pokémon mais qui est modifiée. Allez, moi je dis y a moyen qu'on le défonce. On tente le coup. Ouais bon, s'il nous fait bluff.
Oh ouais, ouais. Wouah. Ok, d'accord. On va se calmer de suite. Alors attends. On va lui faire rugissement quand même. On va faire deux fois rugissement et puis on va attaquer. On utilisera une potion. Pourtant qu'il fait bluff, c'est bon. What? Nos dégâts? Ah oui, on lui fait vraiment nos dégâts, son mec. Pour l'instant, ça va. Heureusement qu'ils se sont arrangés pour que c'est qu'il ait pas une grosse intelligence non plus. Parce qu'en vrai, sinon, je serais déjà mort. Hein. Même en utilisant la potion. What? Mais même avec rugissement, il fait mal, son morsure. Ok, niveau 9. Que, où suis-je? Bon d'accord. Que s'est-il passé? Je ne me souviens plus de rien. Ah, si, cet homme étrange, il m'a attaqué, il s'est approché de moi avec un objet et c'est le trou noir. Voilà qui est intéressant. Le mec s'est caché dans mon dos, tu sais pas trop comment c'est possible. Nom de code, Belladonis. Je suis membre des forces de police internationale. Camouflé avec mon ultime blue chaise. What? D'accord. J'ai suivi toute la scène sans me faire remarquer. Secrétaire, l'appareil de cet homme mystérieux ressemblait-il à celui dont est affublé le directeur Sasaki? C'est exactement le même. Belladonis. Ainsi donc, quelqu'un au bourre-palette manipule le prof Shen afin de faire transiter des morceaux de brouillator jusqu'ici. Libérons le directeur de cet engin diabolique. Ça s'explique mieux quand même. Mais que diable s'est-il passé? Irma, vous m'avez mis un coup de poing. Je suis Belladonis, des forces de police internationale. C'est mon nom de code. Votre secrétaire va tout vous expliquer. Elle a été manipulée, tout comme vous avez failli l'être. J'ai entendu que ton nom était Maveur, c'est bien cela? Il faut que nous sortions le prof Shen de sa manipulation. Peux-tu t'en charger pendant que je pars prévenir du renfort? Le mec, il va ramener des agents de génie et tout, c'est un fou. Nous nous reverrons au bourre-palette. Bref. Et sur ce, on va aller soigner ça la mèche et on va capturer un roucoul. Du coup, il n'y a plus le nid d'orange. Voilà. Il n'y a plus le pélado. Allez, on va capturer un roucoul, on va l'entraîner un tout petit peu. Oula, j'ai eu un petit... je sais pas ce que c'était. Un problème d'image. Hop, flamèche. Comme ça, on aura un deuxième Pokémon déjà au cas où. Oh putain. Le problème c'est que si je lui fais griffe, je le défonce quoi. Bon on va tenter griffe. Ouais. Bon bah je pense que tout à l'heure on va en recroiser un, on va faire deux fois griffe. Plutôt que flamèche. Un ratata, on s'en fout littéralement. On va juste gagner un peu de XP. Hop, ça c'est fait. Allez, allez, allez. Donc du coup, apparemment, il y a des appareils qui manipulent les jambes. Et c'est la Team Infini qui les crée. Donc la nouvelle bande de malfaisants, de malfaiteurs. En plus de la Team Rocket et de ce qui existe déjà. Hein. Roquette, Team Plasma, Team Galaxy, tout ça. Ouais, il est meilleur en défense lui. Comparé à l'autre. Parce que l'autre, normalement, le dernier griffe, il aurait tué. Et voilà, on a un roucoul.
Renommez votre cool, non. Ah non, c'est fait exprès, c'est le changement de map. J'avais pas remarqué au premier épisode. Bon, bon, c'est pas trop gênant non plus. Et voilà, on est soigné. Alors, le système d'échange fonctionne. J'ai demandé aux développeurs du jeu, enfin, sur Twitter, quoi. Et donc, le système d'échange fonctionne. Hop, non, c'est pas la bonne touche. Ce qui veut dire qu'on fera peut-être des échanges avec avec Hogan, justement, à un moment, peut-être. Genre, si jamais il faut faire évoluer les Pokémon, ou quoi, par échange. Je sais pas si c'est obligatoire. Alors là, c'était pas mal l'animation. Un gros trou noir en plein milieu. Alors, bah, Charles. Ah oui, d'accord. Lequel est le plus bourrin des deux? Le mien fait des coups critiques, donc on va garder celui-là. Ouais, lui aussi apparemment. Ça c'est pas cool. Ah, nickel. Voilà. Et je viens de voir que je me suis planté sur mes réglages OBS, mais c'est pas grave. Ça devrait aller. Vous verrez pas la différence. C'est moi qui vais galérer pour vous l'upload, c'est tout. Non, c'est pas le bon truc. Hop. Non. Voilà. Vise, il a un bébé le truc. Ok, on peut monter niveau 5, comme prévu. On les fait un peu XP du coup. Et puis après on ira sauver le professeur Shen de sa manipulation qui le manipule. Voilà. Il va me le tuer. Là j'ai fait une grosse j'ai fait le gros boulet là. Quoique on va le soigner. C'est bizarre d'avoir un Pokémon aussi fluide quand même. Comparé à Pokémon Diamant, vous n'allez pas me dire le contraire. Pokémon Diamant ça rame le steak un peu. Après voilà. Sinon je pense que plus tard je vous ferai peut-être un let's play sur la version blanche. Parce que c'est pour moi voilà, c'est juste la meilleure version au niveau scénaristique, littéralement. C'est la meilleure que Nintendo ait fait. Certains vont dire ouais moi j'aime bien rouge feu, moi j'aime bien. Non, pour moi, c'est la plus mature de tous, c'est la mieux. C'est la mieux foutue, il n'y a pas d'autre mot. Il y en a qui les graphiques ça les répute. Moi pas plus que ça, ce que je vais vous dire, c'était un avant-goût on va dire, du fait qu'ils voulaient nous foutre ça en 3D. C'était vraiment un avant-goût je trouve. Et bien sûr après est arrivée la version XY, tout ça. D'ailleurs il y a des spéculations en ce moment sur une possible version 2 de XY, donc pourquoi pas une version Z, comme il y a eu des rumeurs il y a un bon moment. Ça remonte avant l'annonce de Rubis Omega et Saphir Alpha. Donc voilà, ça fait un petit moment quand même. On va aller se soigner. Et ça avait calmé tout le monde quand ils avaient licencié... quand ils ont déposé le nom de Emerald Delta. Voilà, ça avait un peu troublé tout le monde. Mais moi je crois encore à la suite. Parce que de toute façon il y a un article sur Pokébus qui le dit clairement. Enfin, tu es de retour, as-tu réussi à livrer le colis? Excellent travail, ma mère. Que dis-tu de sortir de ma cachette au lieu de manipuler le prof Shen à distance avec un brouillator? Mais où tu vas chercher des histoires pareilles? Très bien, je vais t'avouer quelque chose. Nous voulions utiliser le brouillator pour pouvoir contrôler Sasaki et donc son école. Pourquoi? C'est la seule école de Kanto. Mettre quelqu'un de notre team à sa tête nous aurait permis de contrôler le futur de Kanto. Et ils sont où les renforts? On ne bouge plus, je suis l'inspecteur Belladonis, c'est mon nom de code. Mais il va le dire à chaque fois, c'est mon nom de code. Cessez de contrôler l'esprit du professeur Shen. Quoi? Ce débile ne s'était pas camouflé? Ça valait la peine que je fouille le moindre recoin de ce bazar qu'on appelle laboratoire. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que je n'utilise pas de brouillator. Tadam!
Inutile d'utiliser un brouillator quand on peut utiliser un déguisement. Je suis un sbire de la Team Infinie. Ils ont les cheveux verts. Waouh. Quel déguisement impressionnant. Et je parle en connaissance de cause. À cause de toi, notre plan est foutu. Je l'ai senti en te voyant revenir quand je contrôlais la secrétaire. Je vais te le faire payer très cher et ensuite je m'occuperai du flic. Ah, très bien. J'ai bien fait de soigner mes Pokémon. Alors, il y a des points. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, le son, des fois, est un peu plus fort. Selon les... Ah oui, d'accord, niveau 12, le Hoot-Hoot. Ok, ça va. Limite, j'ai peur qu'il me le one-shot. Ah non, ça va. Ok, on coulera de son attaque, please. Ok, il me fait littéralement nos dégâts. Heureusement qu'on a fait plein de limonades. What, la violence. Bah au moins on fait la même chose, sauf que moi je vais faire Flamèche. Alors là ça va être du spam de rugissement. Ok, il tape plus que 3. Je voudrais qu'il tape plus que 2. Ouais voilà, nickel. Hop, Flamèche. Oh putain. Oh là là là. Ah ouais, il montait pas au gain que tu disais, il va falloir les faire XP. Putain, on se tape un niveau 12 direct. En plus, on a pas de quoi le réveiller. Oh, le coup critique. Non. Dans ce cas, on va utiliser le rappel déjà. Heureusement qu'on a eu le rappel finalement. Ah d'ailleurs, on a pas récupéré l'objet de lieu du jour. C'est pas grave, on fait le rappel. Est-ce qu'il a regard vif ou tout? C'est ça que je me demande. Ah putain, il l'a. L'enflure. Attends l'attaque, vas-y. Ah ouais, non mais déjà qu'on lui fait nos dégâts. Ah putain! Il est relou. Fais-moi un rugissement si tu veux. Ah allez, un criticolite encore. Putain. Ça commence mal. Ah ouais, on se fait défonce. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, il tape 1. Mais réveille-toi, putain. Il fait que des criticals en plus. Voilà, fais des rugissements si tu veux. Oh putain, le truc il va dormir pendant 10 tours, tu sais. Mais réveille-toi. Putain, c'est un paresseux ce truc. Oh putain. Normalement c'est 5 tours max, non, dormir. Non, lui il dort 10 tours, ok, vas-y. Ah bah putain. Enfin. Allez, on va y arriver. Bon par contre, j'espère que vous entendez pas le clavier parce que je suis un peu en train de spam littéralement. Oh putain. Allez, on est reparti pour un deuxième tour. Ah, il est relou. Bon, on va les faire XP parce que là c'est... voilà, c'est vraiment infâme. Allez bébé. Oh putain. Bon, ok, c'est... on voit que c'est un fine game, c'est pas... Il rigole pas non plus, hein. La Team Infinie, c'est pas de la bouse. A priori. Pardon. Excusez-moi. Oh non. Mais va te faire voir. Putain. Bon. On va le terminer avec Roucoule. Normalement, il ne le tue pas. Et à me faire un critico. Non, ça va. Ok. Eh ben putain. Niveau 7. Niveau 10. Brouillard. Ouais, sûr. Waouh. C'était assez hard comme combat. C'est pas possible. Mais comment j'ai fait pour foirer un plan aussi simple? Tu vas m'expliquer tout ça au poste. Au poste toi. Ce qu'est la Team Infinie, votre but et votre et tout votre blabla habituel. Ma beurre, si cet idiot avait enlevé le professeur Shen, il doit forcément être dans les parages. Il n'aurait pas pris le risque de le transporter hors du labo. Je compte sur toi pour le trouver. Moi, j'emmène cette canaille au poste. A très bientôt, peut-être. Ok. Eux, ils s'en foutent. C'est ses assistants, ils s'en branlent. Je pense qu'il l'a foutu bah, dans sa maison. Pourquoi pas dans sa maison? Et là, la musique est plus forte.
je suis obligé de rebaisser dans mon casque. C'est un peu bizarre. Allez, reviens vite, d'accord. Donc je suppose qu'il l'a mis dans sa propre maison. Ou pas. Non, bon, apparemment non. Ah, on peut dormir dans les lits comme ça au calme, d'accord. Bah j'ai dormi chez le professeur Chien donc. Dans le parc. Ah oui d'accord. Dans le parc alors. Ou alors c'est chez Blue et Red, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bah apparemment non. On fait le tour. Parce que bon apparemment il doit être dans le groupe palette. Et je regarde le record et vous avez un meilleur rendu que moi. Blue. Ah il y a la sœur de Blue. Comme mon frère n'est pas là, j'ai toute la maison pour moi. D'accord. Mais où c'est qu'il est? Est-ce qu'il y a un indice peut-être dans le truc de quête? Non c'est pas ça, quête en cours. Au complot. Découvrez quel secret se cache sous les envois. Parlez au prof chaîne labo. Ça on l'a déjà fait. Enfin, y a plus de prof chaîne. Pareil qu'il y a un Pokémon super rare qui traîne près du groupe palette. Tu saurais pas ce que c'est. Ah là il y a une maison. La maison de Green. Delia Ketchum. Qui c'est? Ah c'est la mère de Sacha. Il me semble bien que son nom de famille c'était Ketchum. Je sais pas comment on le prononce, Ketchum. J'espère que son voyage à Unis se passe bien. Donc voilà, donc apparemment c'est en même temps qu'Unis. Ah bah oui. Parce qu'en 2013 il n'y avait pas encore Rubis Omega et tout ça. Waouh, la 3DS. Où c'est qu'il est? On va parler, je pense qu'on va parler à tout le monde d'abord. On va faire demi-tour. Est-ce qu'il faut que je retourne dans le centre Pokémon, dans le labo Pokémon? Parce qu'on voit qu'on peut, normalement on peut aller dans le Poképark a priori. Ah, c'est pas à droite. Ah ben, bah, voyons. Vraiment ma peur. S'il y en a un que ça le choque un peu mais les autres peut-être. Attends. Oups, d'accord. Il parle de la radio Pokémon là. Enfin la meuf celui là je crois que c'était celle qui gère la radio. Bref, il faut parler à tous les gens a priori. Ah d'accord, on peut affronter le type, cool. Je sais pas si on pouvait le faire avant. Oula, oui. Non, on avait pas le mieux. Mieux vaut le faire maintenant quand même. Parce que bon. Oh l'enflure. J'ai du sable, du sable. Du coup je vais rater 10 milliards de fois mes attaques. Bon pour l'instant il gère. Bon il fallait bien qu'il en rate une au bout d'un moment. Hein. Oh, t'es 14. Genre il a été plus rapide. Ok. J'ai la gorge qui me gratte, désolé. Ok, niveau 8. Ratata, on va envoyer ça à la mèche. Bon c'est bien sympa, du coup ça fait un peu XP. Il attaque. Et il enlève quand même 4 PV son attaque. Ok. Combien rapporte 63. Reviens si tu veux te battre à nouveau. Fort ou intelligent. Viens, on va créer un fan club. D'accord. D'accord.
rencontré son mari en regardant un match. Ok. Un combat. Est-ce que vous croyez qu'on peut genre XP et tout, genre revenir et tout, genre à volonté? Est-ce que lui pourrait pas me donner des indices peut-être? Non. D'accord. Mais où c'est qu'il l'a planqué? Alors là. J'ai aucune idée. Alors là, il n'y a pas d'indication sur le scénar. C'est un peu chaud quand même. Alors attends. Quête. Je vais relire la quête quand même. Alors attends. Sans la paix. Quête en cours. Bah non. On le retrouve pas. Enfin, a priori, c'est la quête du moment quoi. C'est bizarre. Ah, le gendarme, peut-être qu'il peut m'aider, je sais pas. Non, pas du tout. Alors là, je voudrais bien des indications. Là. Absolument aucune idée d'où il est. Il y a pas de... C'est pas bizarre. Je vais regarder dans la maison de Sacha s'il y avait un truc au-dessus. Bon, lui on va le distinguer. Je sais pas où il est. Je sais qu'il a planqué prochaine nuit. Je sais pas, c'est bizarre. Normalement il devrait être dans le coin quoi, enfin je comprends pas là. Parce que là je suis revenu à Jadiel. À la recherche du professeur Cher. Pas de problème. On va soigner les Pokémon. Alors là ça devient lourdingue. Ah, on va récupérer le cadeau du jour. Ouh, il est super prof. Bah vous savez quoi, on va récupérer le cadeau et on va se laisser là une super potion. D'accord, sympa. On va récupérer l'eau et on va se laisser là pour cet épisode. Donc hop, vite fait. J'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager si vous pensez que ça vaut le coup. Moi je vais vous dire à la prochaine une fois qu'on aura récupéré le la super potion. Voilà, donc c'est celui-là de vendeur de mémoire. Voilà. Passez une bonne journée. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.